Laurent m'a fait de ne pas aller. En fait, je ne suis pas dans Muriel Couton, je suis responsable des manifestations. Tu t'appelles Muriel. Non, très bien. Bah écoute, bienvenue. Merci. Donc, effectivement, il faut placer les gens une place sur deux et éviter qu'ils restent sur le côté parce que ça peut être une boxon aussi, les gens n'importe quoi. Oui, je suis d'aller vers le centre. Le centre, avec toujours un espace. Okay. Tu peux avoir le cas de gens qui viennent ensemble, un couple. Là, eux ont le droit de s'asseoir côte à côte. C'est le seul cas de figure. Quand ils sont ensemble, ils ne restent pas trop bien. Exactement. Super. Donc voilà, tu vas appeler personne. Je ne t'ai pas indiqué. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, super. Et bah, bienvenue parmi nous. Merci. Vous aviez réservé? Oui. Ah, à quelle adresse merci. Marie Maxner. Ah, oui, super. Vous en retirez. Merci.
J'ai appelé l'intervenant. Allô ? Rebonjour, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Très bien. Donc là, pour l'instant, je vous diffuse la caméra centrale. Donc vous aurez la diffusion de toutes nos caméras avec les micros sur scène. Génial. Donc pour l'instant, on est bon. Je vais juste vous demander un petit service, c'est de couper votre micro en attendant le début de la conférence. Comme ça, on pourra utiliser d'autres fonctionnalités. Voilà. Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure.
Thank you.
par où la remise du prix ? Ici, ici, ouais. Là, ici ? Ouais. D'accord. C'est au BGD. Bah, c'était bien. Il
Mesdames, messieurs, bienvenue dans les auditoriums de la Bibliothèque nationale de France. En application des règles sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire durant votre présence dans cette salle, comme dans tous les espaces du site François Mitterrand. Merci de bien vouloir respecter les distances physiques et l'itinéraire de sortie en quittant ce lieu. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment parmi nous. C'est très court. Donc, je pense que les micros sont branchés. Ils le sont. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être avec nous. Comme vous le savez sans doute, nous sommes ici pour... la remise du prix du roman d'écologie qui est décerné tous les ans depuis 2018 et ce prix sera remis tout à l'heure. Et là, nous faisons pendant une heure à peu près un dialogue à trois avec les moyens modernes. Et dialogue qui va donc concerner la création artistique et l'écologie. Nous avons donc trois artistes avec nous que je vais vous présenter en premier lieu, avant de leur donner la parole, Alice Fernet, vous êtes écrivaine, vous avez écrit notamment La conversation amoureuse en 2000, qui a été un immense succès. Et puis en 2014, vous avez publié Le règne du vivant, qui est un roman documentaire, on reviendra sûrement sur cette notion, inspiré de l'action du militant Paul Watson, défenseur bien connu des baleines et farouche militant anti-pêche. Et en 2018, vous avez présidé le jury du prix du roman d'écologie, dont vous êtes toujours membre. Alexis Génie, bonjour, vous êtes écrivain, vous aussi. Vous avez remporté le prix Goncourt en 2011 avec votre premier roman qui s'appelle « L'art français de la guerre ». Dans une vie précédente, vous étiez professeur de SVT, sciences de la vie et de la terre, dans un lycée à Lyon. Et vous êtes membre depuis sa création du jury du prix du roman d'écologie que vous présidez cette année. Et Fabrice Hibert, qui aime donc la technologie moderne, bonsoir. Vous êtes plasticien, vous avez une formation de mathématicien. Votre œuvre est traversée par les notions de mutation, de transformation et par la nature. On y reviendra bien sûr. Vous êtes très intéressé par l'arborescence, l'évolution en rhizome. La notion de rhizome est très présente dans votre pensée et dans votre création. Et les arbres prennent une place singulière également dans votre œuvre. Dans votre réflexion, vous avez planté une forêt en Vendée il y a longtemps. Vous avez participé à l'exposition « Nous, les arbres » qui s'est tenue en 2019 à la Fondation Cartier. Et votre couleur de prédilection, évidemment, est le vert. Alice Fernet, vous avez donc écrit ce livre sur la vie de Paul Watson, alors que finalement, quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, l'écologie n'est pas si présente. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé? Le livre a été publié en 2014, vous avez mis quelques années pour l'écrire, je crois. Comment donc en 2012, peut-être, vous avez décidé de faire ce livre? Oui, alors j'avais quand même avant déjà travaillé beaucoup sur les animaux, puisque j'avais écrit un livre sur un chien soldat dans la guerre de 14. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que... Alors, je sais pas si c'est une chance. Moi, je le vis un peu comme une malchance d'être née à Paris et de n'avoir jamais vécu ailleurs qu'à Paris. Donc, quand même, dans un espace où les animaux sont complètement invisibilisés. Alors que les seuls qui restent... Bon, je suis pas fan des pigeons, mais j'aime beaucoup les petits piafs. Mais je pense qu'à assez jeune, j'ai vraiment éprouvé beaucoup d'attirance, d'amour pour les animaux. Un grand moment de ma jeunesse, c'est aller au cinéma voir le film de Frédéric Rossif, qui doit s'appeler Les animaux du monde, je crois, qui se terminait par cette marée noire, qui était peut-être celle de l'Amo Cocadis, je ne sais plus. En tout cas, vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Et je pense qu'ensuite, je n'ai jamais raté de film animalier, même si ça se discute assez, parce que je me dis parfois, ils sont à double tranchant. On a l'impression qu'en fait, tout va très bien, il y a toujours des animaux. Alors que je me souviens que Claire Nouvian nous avait raconté que c'était extrêmement difficile de les trouver. Et que ça, c'était jamais dit, évidemment, quand on voit le film. Mais en tout cas, j'ai toujours été voir ces films et j'ai toujours emmené mes enfants. Et donc, je ne sais pas en quelle année c'était, peut-être 2008, Océan de Jacques Perrin,
Je pense que j'ai été une des premières spectatrices avec mon fils qui, à l'époque, avait 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai découvert la figure de Paul Watson qui s'occupait de poursuivre dans les eaux du Costa Rica les chasseurs, des braconniers qui chassaient les requins et coupaient leurs ailerons. Et puis ce personnage m'a... J'ai vraiment été frappée par ce personnage. Du coup, je me suis dit... J'ai eu envie d'écrire presque qui s'apparenterait aujourd'hui à une vie de saint. Parce que je le voyais comme ça. Je le voyais comme quelqu'un... j'avais pas le sentiment qu'il récupérait sa cause. J'avais vraiment... D'autant qu'en plus, il était déjà très critiqué, que Greenpeace carrément mentait en disant qu'il avait jamais été un membre fondateur de Greenpeace. Enfin, j'étais très intriguée par tout ce qui se tramait autour de lui. Et du coup, je me suis dit... Ça sera un bon sujet. Puis alors, je pense qu'Alexis sera d'accord avec moi. Comme ça prend un certain temps d'écrire un livre, moi, j'aurais un peu la phobie du livre futile. Et là, il y avait au contraire... Tout m'indiquait que ce n'était pas futile. Parce que d'une part, c'était... Pour quelqu'un qui écrit des livres, le militantisme, c'est un peu inaccessible parce que ça prend trop de temps. Donc, on fait ce qu'on sait faire. Donc, je me suis dit, ça sera ma contribution, d'une certaine façon... à la cause écologique que je partageais à ce moment-là. Et puis, j'avais aussi le sentiment que ça s'inscrivait dans la tradition littéraire, puisque le grand livre sur les baleines, c'était Moby Dick, et c'était le livre d'une autre époque où les hommes chassaient les baleines en risquant leur peau presque plus que les baleines elles-mêmes, et où il y avait profusion de baleines. On n'avait pas du tout idée qu'un jour, elles seraient menacées. Donc, je trouvais très intéressant de faire une espèce de suite de Moby Dick comme le livre où on chasse les chasseurs de baleines et où on risque sa réputation, on risque même d'être arrêté puisque Paul Watson a fait l'objet d'une fiche Interpol. Et du coup, je trouvais que ça valait la peine et du coup, je me suis engagée là-dedans. Alors, vous vous lancez dans l'aventure. Vous connaissez finalement pas grand-chose au départ de Paul Watson, à part ce que vous venez de nous dire, puis cet enthousiasme que ça soulève chez vous. Comment vous travaillez et comment on fait un roman documentaire? Alors, je crois que l'expression n'est pas de vous, non. Mais peut-être vous y reconnaissez quand même. Vous savez comment je l'interprète? Je l'interprète comme ça pourrait être ennuyeux par moment. J'interprète comme ça. Le livre, les gens... Il y a quelqu'un qui a dû trouver que c'était pas assez romanesque. Alors, pour poser la question plus précisément, comment vous introduisez la création romanesque, peut-être fictionniste, dans un cadre qui est quand même très biographique? Et comment vous vous emparez, puisqu'on parle d'un militant qui travaille sur une cause précise avec des données, donc scientifiques notamment, comment vous vous emparez du matériel technique et comment vous jouez avec lui et avec en même temps la création? Bon, d'abord, je l'ai pas nommé Paul Watson, donc je l'ai rebaptisé. J'en ai quand même, du coup, fait un personnage romanesque. D'autant qu'en plus, la seule chose que j'avais prévue, c'était qu'il mourrait à la fin. Parce que j'étais très frappée de voir que, le terme d'éco-terroriste, je le trouve extrêmement mal choisi, parce qu'il ne cherche pas à terroriser, c'est pas un terroriste. Et il n'a jamais tué personne, il a détruit du matériel. Mais enfin, les procès qu'on lui faisait... tiennent, à mon avis, beaucoup plus aux enjeux qui sont mis en péril, enfin, typiquement des secteurs industriels. Donc, je pense qu'il attaque, il s'attaque à gros, du coup, il subit des grosses critiques, mais au fond, il n'a jamais effectivement fait de mal à personne, alors que quand on regarde un peu, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de journalistes scientifiques qui ont écrit sur l'écologie, de défenseurs des animaux qui, eux, ont été assassinés. Donc, j'avais envie, justement, de rappeler ça et donc, déjà, d'imaginer une fin fictive puisque je pensais qu'il mourrait en protégeant des baleines. Donc, déjà, ça aussi, ça me donnait une certaine liberté de le rebaptiser. J'avais aussi inventé un narrateur qui était un journaliste qui faisait des films et qui donc allait l'accompagner dans ses sorties en bateau. Donc tout ça me mettait dans un espace de fiction et me donnait la liberté qu'il faut, à mon avis, pour écrire et surtout même pour écrire sur des gens qui existent. Alors moi, je l'ai déjà fait à d'autres occasions et j'essaye toujours d'avoir
une écriture respectueuse, mais quand même de ne pas être assujettie à devoir dire certaines choses. Et c'est pour ça aussi que je ne rencontre jamais la personne sur qui j'écris. Donc vous ne l'avez pas rencontrée. Voilà, d'une part pour garder ma liberté, parce que je trouve que finalement, de toute façon, un roman, c'est une voix, c'est une subjectivité, c'est un regard sur un sujet. Et donc, ce n'était pas le regard de Paul Watson sur lui-même que j'avais envie de restituer. C'était, au fond, qu'est-ce qui l'éveillait en moi comme question, comme rêverie, comme doute. Et donc, c'était bien que je ne le rencontre pas. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je me dis souvent que j'aime bien cette idée d'être assez proustienne, au sens où Proust disait « on ne rêve pas de ce qu'on voit ». Et donc, effectivement, j'ai écrit à distance. Je ne suis pas non plus allée sur un bateau de Paul Watson, alors que j'aurais pu le faire. J'avais un ami qui connaissait très bien un photographe animalier qui m'a dit, si tu veux... Mais non, j'avais envie juste de rêver. Donc, en fait, j'ai... Alors, ça allait d'écouter des chants de baleines à me plonger dans les cartes sur le pôle sud. C'était vraiment extraordinaire. Et à apprendre des tas de choses que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est un vent adabatique, des choses comme ça. Je trouvais ça merveilleux. Hein. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Voilà. Et je me disais aussi... enfin, ça, je ne sais pas aussi ce que dira Alexis. Moi, j'essaye toujours, chaque fois que je fais un livre, et on n'en fait pas tant que ça, hein, j'essaye toujours de faire des choses que je n'ai pas faites. Et je ne suis pas une grande... j'avais jamais fait beaucoup de descriptions. Et là, au contraire, je me suis dit, il faut vraiment que j'en profite pour écrire des descriptions et par exemple des descriptions de ce qui se passe sous la mer. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Vous y avez pris goût ? Oui, j'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Et alors, vous m'avez dit quand on a parlé au préalable, écrire un livre, ça change les lecteurs. Enfin, on peut espérer que ça change les lecteurs, mais ça change surtout celui qui l'écrit. Comment ce livre, cette aventure qui a donc duré 2 ans, vous a changé, comment elle a changé votre regard, peut-être votre engagement sur l'écologie, comment vous en parleriez aujourd'hui? J'en parlerai, je dirais que comme pour écrire un livre, il faut vraiment connaître son sujet et que c'est vraiment le connaître dans le détail. Pour arriver à écrire ce livre, j'ai appris quantité de choses et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Alors ça va du continent de plastique à la façon dont les baleines mettent au monde leurs enfants... des tas de choses, à la différence entre les cachalots et les baleines que je connaissais pas, des tas de choses comme ça. Et du coup, je trouve que ça suscite toutes sortes de sentiments. Alors, ça va de l'émerveillement à l'épouvante, hein, parce que découvrir, par exemple, le continent de plastique, franchement, il y a de quoi être épouvanté. Au contraire, découvrir des formes de la vie animale ou découvrir... Tout ce rôle des océans dans notre écosystème, tout ça, c'est un motif d'émerveillement. Donc, je dirais qu'en fait, ça m'a fait vivre beaucoup de prises de conscience, beaucoup d'émotions, et qui sont toujours restées ensuite. C'est-à-dire que pour toutes sortes de petits gestes, j'ai été transformée, alors qu'auparavant, je n'étais pas particulièrement... sensible. Et évidemment, je pense que le thème qui m'est resté le plus cher, c'est celui vraiment de la diversité des espèces et de l'extinction des espèces. Je trouve ça très très difficile à vivre et très triste de se savoir contemporain d'une extinction massive, et tout ce qui peut être fait contre ça me paraît effectivement... Du coup, je suis beaucoup plus sensible à ça. C'est une sensibilisation, comme la lecture peut être une sensibilisation. D'ailleurs, il y a des lecteurs de mon livre qui, par exemple, la scène où on dépèce les requins, ils étaient choqués. Et je me dis, bon, peut-être que ça restera chez certains. Merci, voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Oui. Fabrice Hibert, bonjour. Vous êtes plasticien ? Oui, oui, on vous entend très bien. Vous êtes plasticien, donc on part d'un autre point de vue artistique qui peut-être donne le sentiment, en tout cas moi, peut me donner le sentiment que le tableau documentaire n'existe pas ou que l'installation documentaire n'existe pas et qu'en tout cas, la liberté que vous avez dans votre création
s'affranchit plus de ce matériel technique, par exemple, dont on vient de parler avec Alice. Mais peut-être que je me trompe. Et donc, en fait, ma question, c'est un petit peu... D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre entrée dans la nature, qui, je crois, passe effectivement beaucoup par les arbres et par la forêt. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement et nous dire comment, effectivement, vous utilisez, entre guillemets, le mot n'est peut-être pas le meilleur, ce matériel pour votre œuvre? D'accord. Moi, je suis né, contrairement à Alice, je suis né dans la campagne, en plein sud Vendée, et c'était un endroit merveilleux, mais qui très vite a été envahi par l'agriculture industrielle. Et en fait, j'ai vu les terrains autour de chez moi absorbés les champs de maïs, les champs de tournesol, tout ce truc-là était vraiment tué. Il n'y avait plus d'animaux qui venaient, il n'y avait plus d'insectes, déjà dans les années 70, hein, c'est il y a très longtemps. Et donc, ces terrains-là, je sentais, en plus, je faisais, pour gagner un petit peu d'argent l'été, on faisait à l'époque, on enlevait les fleurs de maïs, on castrait les maïs, on disait, pour qu'ils puissent se reproduire, pour donner du maïs, pour donner à manger aux animaux, aux bêtes, aux bovins. Et en fait, donc en faisant ça, je me suis aperçu que je voyais du maïs tous les jours que je ne pouvais pas manger. Donc, je trouvais ça un peu étrange qu'on ne pouvait pas manger le paysage, enfin les légumes et les fruits qu'il y avait autour de moi. Et donc, très vite, je me suis inquiété de pouvoir protéger ma famille de cette invasion d'agriculture industrielle. Enfin, je suis plutôt un acteur. Enfin, j'agis. J'écris pas, je dessine, je fabrique des choses, je fais des projets et je mets ça en place. Et en fait, le projet de construire une forêt, c'était un de mes projets d'enfant. En fait, déjà très très tôt, je prenais des graines dans les arbres aux alentours et puis je les semais. Et en fait, quand j'étais étudiant, le terrain autour de chez mes parents était à vendre et j'ai décidé de l'acheter. Voilà. Et donc, j'ai voulu protéger, d'une certaine manière, de protéger par une couronne autour de la maison de mes parents pour pouvoir en faire une sorte de lieu de privilégié, d'expérimentation pour ma pensée, pour mon travail, pour mon action, en fait. Et parallèlement, comme je faisais des mathématiques, j'étudiais les sciences et tout ça, en fait, je me suis aperçu que l'arbre était aussi une forme qui correspondait à une façon de penser, à une prolifération dans tous les sens. Puis, enfin, je lisais aussi des gens comme Deleuze, tout ça à l'époque, donc j'imaginais aussi une chose beaucoup plus complexe, qu'on pouvait imaginer que les arbres pouvaient pas être liés entre eux, des choses comme ça, qu'il pouvait y avoir des ponts entre les branches, que les branches n'étaient pas seulement uniques comme ça, mais qu'il y avait des choses entre. Et c'était ça que je voulais mettre en évidence, ces ponts-là. Et en fait, j'ai créé petit à petit une œuvre avec plein d'éléments. Et d'ailleurs, ma première exposition que j'ai fait personnelle en 1986, elle s'appelait Mutation, parce que je pensais que je changeais de statut. J'étais plus un jeune artiste, un jeune étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes, mais j'étais devenu un professionnel et donc je mutais, mais je trouvais ça très très agréable. Donc, et puis la mutation à l'époque, c'était un objet, même toujours d'ailleurs, c'est un mot qui est assez négatif. Et en fait, dans l'écologie, en fait, donnait cette idée-là, une écologie un peu, on va dire, orthodoxe, on en a parlé l'autre jour, orthodoxe donnait une idée comme ça très très négative de la mutation, alors que la mutation, il faut juste en prendre le meilleur et puis faire quelque chose avec ça. Et donc j'ai fait pour l'occasion un petit livret que j'offrais à tous les gens qui venaient faire mon exposition. Le livret était vert, complètement vert, et à ce moment-là j'ai décidé de faire que tous les livres qui concernaient mon travail étaient verts. C'est pour ça que vous parlez du vert qui est ma couleur préférée, c'est ça. Mais un vert très 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 particulier, c'est le vert de la première pousse de la feuille de charme le jour du printemps. Très très verte comme ça, très fluorescente. Très chic. Et très chic. Hein. Et en fait, ce vert-là, en fait, j'ai décidé. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé aussi que, comme c'était tous mes catalogues allaient être verts, que ça allait petit à petit faire un rayon vert dans les bibliothèques. Voilà, une chose un peu fugace comme ça qu'on peut voir le soir à la tombée du soleil au bord de la mer. Je reviens sur la plantation. C'est tous ces éléments-là. Pardon. Je reviens sur la plantation de votre forêt. Je croyais que vous aviez terminé, excusez-moi. Cette plantation que vous faites donc jeune et qui depuis les arbres ont poussé, c'était un acte d'environnement, bien sûr, enfin, qui était en faveur de l'environnement, même si vous n'étiez pas militant écologique. C'était aussi une œuvre artistique dans votre esprit?
C'était une œuvre, c'était sans doute une œuvre, ça devient de plus en plus en tous les cas. Et puis je dois aussi préciser une chose, c'est que en fait en achetant ce terrain, en fait j'ai voulu transformer ce lieu-là en lieu de ou qui puisse faire renaître un biotope, quoi, avec beaucoup beaucoup d'éléments différents de la faune, la flore diversifiée, parce que c'était très très aride, quoi. Et petit à petit, en fait, je me suis aperçu en faisant des tests différents, au lieu de planter des arbres, je les ai semés. Ça, c'est une chose très importante aussi. Et à partir du moment où on sème un arbre, vous voyez, on plante un arbre, c'est une petite plante avec des feuilles et puis des racines. On sème, c'est une graine, qui est un noyau quelquefois. Et en fait, quand on sème une graine, on la pose dans la terre, on la met dans la terre à 2 ou 3 cm du niveau de la terre. Et puis, elle prend son aise petit à petit, puis elle envoie des informations, ou l'eau à côté envoie des informations, et puis hop, elle commence à travailler, elle se développe. Ça peut prendre 1, 2 ou 3 ans. Et en fait, déjà ça, c'est une action. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer qu'une forêt soit semée, vous voyez. Et c'est une des premières forêts semées, voilà. Et donc cette forêt, il y a 300 000 arbres maintenant, peut-être, environ, peut-être plus maintenant. Et c'est une forêt qui a pris son aise en mélangeant toutes les essences et tout ça. Et c'est déjà une expérience. En fait, mon travail d'artiste, c'est de montrer aux autres qu'il y a d'autres possibilités que la forme dominante. C'est un peu ça. L'idée, c'est, par exemple, quand je voyais mes amis artistes, quand j'étais étudiant, faisaient des œuvres conceptuelles, tout ça. Moi aussi, j'aime bien. Mon premier tableau, c'était 1 mètre carré de rouge à lèvres, vous voyez. Et je faisais des œuvres conceptuelles. Et ben, je pouvais aussi montrer qu'on pouvait aussi faire des aquarelles. Et tout ça en permanence. En permanence, j'essaie de montrer qu'il y a d'autres possibilités. Et en fait, de montrer aux agriculteurs qui étaient autour de chez moi, mes amis, mes copains d'enfance, qui sont devenus des agriculteurs, qui sont maintenant âgés même, presque. Ils ont appris qu'on pouvait cultiver la terre différemment, avec beaucoup plus bio, plus raisonnable, bio, ou alors excessif. Enfin, ça, tout dépend. Et en fait, ça donne aussi l'énergie de tout ça vient de toute la différence qu'il peut y avoir, en fait. Voilà. Et donc, semer une forêt, c'est très important. Le mot semer, c'est beaucoup plus important que planter. Alors, je reviens sur cette exposition de la Fondation Cartier qui s'est tenue donc en 2019, début 2020, je crois, elle s'est terminée début 2020, qui était très belle, dont vous avez dû entendre parler ou vu. Vous y avez fait non seulement une installation, dont vous allez peut-être nous dire quelques mots, mais vous avez aussi, je crois, animé des ateliers avec les enfants. Vous avez fait œuvre de pédagogie, me semble-t-il. Alors, c'était peut-être ponctuel, je ne sais pas le temps que vous y avez consacré, mais... Il me semble que vous faites de plus en plus, vous participez de plus en plus à des événements, à des actions qui sont relatives à l'écologie. Est-ce que vous diriez pour autant que vous êtes un artiste engagé? Comment vous définiriez finalement à la croisée de cette action écologique et artistique? Engagé, oui. Oui, engagé si vous voulez, mais surtout j'ai très, très envie de faire partager mon expérience par rapport à ça. Les ateliers qu'on a mis en place à la Fondation Cartier ou ailleurs, c'est des ateliers de prise de conscience de tout ça. Moi, j'ai développé un projet dans la vallée là-bas en Vendée, c'est de montrer aux enfants qu'ils pouvaient le lien entre l'agriculture et la culture. Vous voyez, j'aime bien ça, de voir des œuvres. C'est toujours l'expérience de l'œuvre est très importante. L'expérience de l'œuvre comme l'expérience de la nature. Semer une graine, c'est aussi important. Ça c'est très important. Et moi, je fais beaucoup beaucoup de conférences dans le monde entier, l'année dernière j'en fais énormément, sur l'écologie et sur cet engagement sur une écologie. Et je me suis très vite aperçu qu'il y avait deux sortes d'écologie qui apparaissaient. Une écologie très orthodoxe et une écologie progressiste qui se mettait sur des niveaux différents. Il y en avait une qui presque éliminait l'humain de tout ça, et l'autre, le progressiste, qui justement intégrait l'action de l'homme à l'intérieur de son écologie, une sorte d'écologie... on va dire plus actuel, quoi. Enfin, voilà. Et ça m'intéressait beaucoup de découvrir ça, et j'ai très envie de défendre ça maintenant. Ouais, c'est sûr. Maintenant. Merci, on reviendra, on rediscutera ensemble tout à l'heure. Alexis Génie, ça va être à vous. Alors, j'ai cité tout à l'heure le premier roman que vous avez écrit qui vous a valu le prix Goncourt, mais je n'ai pas cité le livre qui vient de paraître en tout début de cette année. Donc, je vais vous laisser dire le titre que j'adore, et je vais juste préciser qu'il s'agit d'une biographie de John Muir. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici sait qui est John Muir, je n'en suis pas sûre. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner le titre de ce livre et nous dire
qui est John Muir et évidemment pourquoi vous vous êtes intéressé à lui. Il n'est pas, comment dire, il est possible que je me trompe en disant mon propre titre. Je vous corrigerai. J'aurais pu être millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Voilà. C'est une phrase de John Muir qu'on a mis en... Alors, je dis on parce que c'est vraiment une collaboration là, entre l'éditrice et moi-même. Les titres, souvent, l'auteur n'est pas toujours le mieux placé pour donner un titre parce qu'il est tellement dans son bouquin qu'il fait une allusion subtile à son livre dans son titre. Que l'on ne comprend que quand on a lu le livre, c'est pas une bonne chose. Donc voilà. Alors comment j'ai découvert ? C'est quelqu'un qui est pas très connu en France. En France, on connaît Thoreau ou Soro. On connaît mal John Muir ou John Muir, comme on dit en anglais. C'est quelqu'un qui a vécu au 19e siècle, qui est mort en 1914, qui a été très actif entre 1860 et à sa mort, 1914. Qui est un... Il est assez indéfinissable, c'est-à-dire que c'est un promeneur, voilà, vagabond. Il a passé son temps à se promener. Américain, d'origine écossaise. Il a passé son temps à se promener et à écrire des articles sur ses promenades. Voilà. Alors, comment, avec ça, on devient un héros national américain ? C'est parce qu'il a écrit la nature. Il est un des grands écrivains de nature des États-Unis qui n'en manque pas. Mais lui, c'est un des précurseurs de cette écriture de nature et avec une sensibilité très, très intense à la nature et aux atteintes faites à la nature ou à la destruction de la nature. Puisqu'il a vécu en Californie à la fin du 19e, Californie qui était surexploitée très, très vite. Après la ruée vers l'or, il y a eu des élevages massifs, de l'agriculture intensive, il y a eu le passage de trains, etc. Enfin bon, cette Californie qui est assez fragile, on s'en rend compte maintenant, parce que c'est un mélange de climat méditerranéen et de montagne, c'est des écosystèmes assez secs qui sont résilients assez lentement. Cette Californie a été dévastée par l'exploitation économique. Et lui, il a milité pour la création d'un parc national, le parc de Yosemite, là où il y a des séquoias. Alors, avec un gros raccourci, on pourrait dire cet homme a sauvé les séquoias de la destruction, puisqu'ils étaient exploités pour le bois de façon massive, de façon un peu folle, parce que ce n'est pas un bois bien terrible, en plus quand il tombe, il se casse. Mais voilà, c'était une époque une sorte d'économie de prédation. En fait, on prenait ce qu'il y avait et sans penser à avoir un développement durable, puisque c'était tellement grand, c'était tellement abondant tout ce qu'il y avait à prendre que on se contentait de prendre. Et lui, à la fin du 19e, il a eu cette clairvoyance de voir que quelque chose était en train de se détruire de façon irrémédiable. Et il a écrit pour deux choses, pour qu'on aime la nature et pour qu'on sauve la nature. Alors, il n'a jamais prononcé le mot de nature, lui, parce que pour lui, c'était la création. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est assez étonnant. C'est quelqu'un qui a des racines intellectuelles qui plongent dans le christianisme, dans les Écritures, même s'il était extrêmement... n'était pas dogmatique du tout. Et pour lui, il y avait un lien très, très fort entre ce qu'on appelle la nature, la création, le créateur. Et pour lui... aller dans la nature, aller dans la création, c'était une façon d'avoir une vie spirituelle. C'est-à-dire que l'homme des villes ne peut pas être en lien avec le Créateur. L'homme des villes a besoin d'endroits vierges, de nature vierge, a besoin du wilderness, a besoin de ce que j'avais traduit par la grande sauvagerie, pour se reconnecter à la création et au Créateur. C'est pour ça qu'il a milité pour protéger une partie de la Sierra Nevada, pas pour des raisons écologiques modernes qui est de dire on va protéger un écosystème, etc. Non, non, lui c'était, en fait il voulait sauver l'homme, il voulait sauver l'âme de l'homme qui ne peut pas se passer de la forêt, de la montagne et de la vie sauvage. Et qu'est-ce qui fait qu'Alexis Génie écrit une biographie de John Muir ? Comment vous l'avez rencontré cet homme ? Alors, vous allez rire, mais avant de commencer à écrire le livre, je ne le connaissais pas. C'est mon éditrice chez Paulsen. Paulsen, c'est une maison d'édition qui s'occupe surtout de livres de voyage, surtout neige, glace, pôle, etc., qui avait envie de me faire écrire. C'est très gentil. Et elle me dit, ça ne vous dirait pas d'écrire une biographie de John Muir ? Parce que comme vous avez été scientifique, lui aussi, il l'a été un peu, ça pourrait être bien.
Je ne le connaissais pas, j'ai commencé par Wikipédia. Vous voyez un petit peu le niveau de connaissance que j'avais. Et j'ai vu qu'il y avait tellement de choses que ça me paraissait un bon gisement romanesque. Et je suis allé chercher les livres qu'il a écrits, ceux qui sont traduits en français. J'ai commencé à lire. Et en 20 pages, j'étais saisi, j'étais conquis, j'étais admiratif, j'étais ému, etc. Enfin, et donc pendant des mois et des mois, je n'ai fait que ça. C'était vraiment une sorte de coup de foudre amical de lire ce qu'avait écrit cet homme-là et puis après aussi de me poser la question pourquoi ce que raconte cet homme-là, ça me touche, moi. Mmh. Eh bien, à la différence d'Alice, j'ai pas grandi en ville, j'ai grandi à la campagne, comme Fabrice. Alors moi, c'était une campagne, c'était le sud du Jura. Heureusement, c'est un endroit trop vallonné et trop escarpé pour qu'on fasse de l'agriculture intensive. Donc, c'est resté très, très protégé. C'est plein de forêts. Je me souviens d'une remarque dans Le Baron Perché d'Italo Calvino où il disait que ce Baron Perché, qui n'allait que sur les arbres, c'était à une époque où il pouvait aller jusque, quel était son exemple, il pouvait aller jusque dans un autre pays sans quitter le sommet des arbres. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi, c'est pareil. La forêt qui commence au bout du jardin de mes parents, je peux aller jusqu'en Suisse à pied sans quitter le couvert des arbres. Et j'ai eu, pendant les 20 ans de jeunesse que j'ai passé là-bas, une grande passion pour les arbres, pour la forêt. Voilà. Moi, mon dada, c'est plutôt le végétal. J'ai plein de bienveillance pour les animaux, mais je suis plein d'amour pour les arbres. Et c'était quelque chose qui était très important dans ma vie, qui encore maintenant, c'est le simple fait d'aller dans une forêt me réjouit. C'est les vacances les plus merveilleuses que je peux faire. Alors, une forêt pas tropicale, parce que j'ai horreur des forêts tropicales, mais une forêt, parce que c'est plein de bêtes, c'est tout humide et tout ça, c'est très inquiétant pour quelqu'un qui a toujours vécu dans des forêts tempérées. Mais voilà, j'ai toujours un lien fort avec ça. Et ce sujet de John Muir m'a donné l'occasion de faire enfin ce que je rêvais de faire, c'est d'écrire quelque chose sur la nature. Parce que j'ai fait des études de bio, j'ai enseigné la bio, j'ai appris beaucoup de choses sur le végétal, sur la forêt, etc. Je l'ai enseigné, voilà. Mais je sais pas comment écrire quelque chose là-dessus. Pendant des années, j'ai pas su. Et j'ai écrit sur des tas de sujets, mais il y a ce quelque chose qui était si important pour moi. Je ne savais pas comment faire un livre, je ne savais pas comment écrire avec ça, je ne savais pas comment le romancer, parce que quand même mon dada c'est le roman, et là on me propose de faire la bio de quelqu'un qui a passé son temps à marcher dans la forêt. Et donc je me suis emparé de ça, et j'ai raconté la vie de cet homme-là, qui en plus est assez abracadabrante, c'est plein de rebondissements, c'est un type très très étonnant, et qui avait un culte pour le végétal, pour les arbres, etc. Et là, je me suis reconnu tout à fait. Et de raconter sa vie, c'était de façon secrète, discrète, raconter un peu la mienne. Et ça a été pour moi une sorte d'occasion de faire le lien entre cet amour des arbres, cette formation qui a été la mienne, et puis mon amour pour la littérature. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir trouvé une façon de parler de cette nature, et puis surtout de l'émerveillement face à la nature. Parce qu'en fait, le sujet, alors moi non plus, je n'ai pas rencontré John Muir, il est mort en 14, mais je ne suis pas allé dans la Sierra Nevada non plus. J'ai réfléchi, est-ce que je vais y aller, est-ce que j'y vais, etc. J'en étais même à consulter sur Internet les horaires de bus entre San Francisco et puis le parc et tout ça. Puis je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Parce que le parc Yosemite, il est bondé. Donc, ce type qui allait se promener dans la forêt tout seul, avec un quignon de pain dans sa besace, un chapeau et un bâton, si je me mets à y aller avec des chaussures de marche et une tente, déjà, ça sera un faux témoignage. C'est pas la même chose. Et puis, mon sujet, c'est pas les séquoias. Mon sujet, c'est l'émerveillement d'un homme face aux séquoias. Et ça, je connais l'émerveillement. Donc, je vais parler de ça, mais le mettre en scène sur quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est le roman, c'est le décalage. Donc, j'ai fait une sorte d'autobiographie cachée en plus grand que moi. Voilà. Et je dis dans le bouquin, c'est mon petit Muir intérieur me permet de comprendre ce qu'a vécu et écrit le grand Muir réel. Merci. Nous sommes réunis pour un exercice qui s'appelle un dialogue, donc j'ai envie maintenant de vous demander à tous les trois si vous avez des questions à vous poser les uns aux autres. Je suis sûre que vous en avez, mais je ne sais pas qui veut commencer. Ah, les sacrées surprises, ça.
On pourrait demander à Fabrice Hibert ce qu'il pense de l'idée de créer un prix du roman d'écologie, s'il en avait déjà entendu parler, s'il sait un peu qui était dans le jury, si ça l'intéresse, qui était dans les sélectionnés, si ça l'intéresse qu'on lui raconte. Voilà. C'est amusant parce que j'avais noté cette question-là. Qu'est-ce que c'est que le roman écologique? Et en fait, je n'avais jamais entendu parler de ce prix-là. Et justement, je me suis posé la question. Je lis peu de romans, je lis des choses documentaires, des essais, de la philosophie, enfin, des trucs un peu qui expliquent, on va dire. Et les romans, je parcours très vite et puis ça me raconte très vite des histoires, mais je ne lis pas longuement des romans. Et je me disais, est-ce que c'est pas quelque chose qui est le roman qui parle de quelque chose et l'écologie qui parle d'autre chose, j'arrive pas trop à savoir. Vous pouvez peut-être me l'expliquer ce que c'est en fait. Oui, c'est une bonne occasion pour qu'on parle justement du prix. D'abord, il faut bien avouer que on a eu plusieurs fois cette conversation parce que, par exemple, à certains, un des livres sélectionnés ne paraissait pas suffisamment proche de ce qui lui semblait à lui un roman qui parle de l'écologie. Quand même, pour vous répondre, je pense que justement Si on donnait une... Enfin, moi, j'ai une idée du roman comme justement un genre, le genre sans règles, hein, par opposition à ce qu'il a précédé. C'est vraiment le genre hybride, flou, dans lequel on peut tout faire. Je pense que quelqu'un comme Kundera l'a très bien expliqué. On peut vraiment... Ou avant lui, bien avant lui, et celui dont il est fan, Diderot, on peut intégrer tellement de choses dans le roman, des conversations, des digressions, des descriptions. Regardez comme Claude Simon a fait du roman une énorme description. Et donc, de ce fait-là, c'est quand même un merveilleux outil pour écrire sur n'importe quel sujet. Donc, il ne peut pas y avoir de distance, en fait, entre la question les questions que pose l'écologie et le roman. Le roman peut tout à fait les absorber. Et d'une certaine façon, ce qui m'a frappée, puisque ça fait 3 ans, donc Alexis et moi et d'autres ici sont dans ce jury, donc on a lu, puisque c'est un jury qui lit les livres, il faut aussi le dire, c'est un jury que moi, je trouve extraordinaire parce qu'il est d'abord, il y a beaucoup de membres dans ce jury. Il y a des jeunes, des étudiants, des professeurs, des gens qui sont ni professeurs ni étudiants et qui sont militants. Enfin, on est donc une population très variée, nombreuse et très motivée et très sérieuse. Donc, on lit les livres et on en discute beaucoup. Cette année, c'était plus difficile avec le Covid, mais on a quand même réussi. Et du coup, j'ai encore en tête, alors d'ailleurs, je vois que la mémoire est vraiment bien meilleure quand on a parlé des livres, parce que je me souviens encore des premiers. On en sélectionne, enfin, le jury, certains membres du jury nous font une sélection, et nous, les membres secondaires, nous ne lisons que la sélection. C'est 6 livres chaque année, et je suis émerveillée chaque année par la diversité, justement, des livres. Et je pensais ça quand on parlait avec Catherine. Je me disais, c'est extraordinaire parce que, clairement, je pense que de toute façon, dès que la création littéraire s'empare d'un sujet, c'est la preuve que ce sujet est vraiment dans un assez, très vastement diffusé dans la société. Là, je pense, par exemple, cette année, vraiment, tout ce qui a trait aux suites de MeToo, c'est très important, au féminisme, c'est très important. L'écologie, ça fait déjà plusieurs années que ça commence. On a à chaque fois trouvé des très beaux livres. Et en même temps, c'est merveilleux de voir comme les approches sont très différentes. Je me disais, si je faisais une typologie, Alexis, tu me diras ce que tu en penses. Je me disais que, par exemple, cette année, il y a une approche par l'émerveillement. Je vais parler de la beauté de la nature. Une approche par... un côté sombre, grave, par exemple, je pensais, c'était Les Grands Cerfs de Claudine Zinger, je la rangerai là-dedans. Il y a au contraire une approche une voie plus tragique, hein, presque une espèce de tragédie de l'environnement. Je pense au livre de Gisèle Bienne, La Malchimie, qui même fait peur. Hein. Le lecteur peut être aussi bien déprimé qu'effrayé. Nous avons aussi une approche temporelle, je dirais. Je pense au livre de
Elisabeth Fiol, Doggerland, qui m'a fait vraiment éprouver tout d'un coup la vie de la Terre dans un temps très très long, mais dans un temps des millénaires de l'évolution. Et c'était vraiment extraordinaire parce que c'était pas dans l'abstraction, c'était vraiment le faire éprouver au lecteur que la Terre s'est transformée pendant des millénaires. Et c'est vraiment un tour de force littéraire, enfin j'ai trouvé. Vous avez aussi la voix, un peu la voix, je la qualifierais celle du, la voix même, j'allais dire, V-O-I-X, la voix du savant fou. Pour moi, le livre d'Emmanuel Pirère, Chimère, c'est ça. Elle nous met en scène la folie, jusqu'où peut aller la folie des savants. C'est un livre sur les chimères et toutes les nouvelles créatures que va pouvoir inventer la biogénétique. Donc ça, c'est aussi une expérience. Vraiment, le lecteur fait une expérience de folie. Je ne vais pas parler de notre vainqueur. Et puis, il y a aussi, on pourrait dire, une autre voie, c'est la voie de l'utopie-dystopie, c'est-à-dire effectivement imaginer l'avenir de notre société, ce que fait effectivement Nous sommes l'étincelle. Imaginer peut-être qui, dans la société d'aujourd'hui, aura le plus d'énergie pour faire bouger les lignes qui sont figées. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ou même une autre, dans cette même voie, le récit d'une tentative passée qui n'a pas réussi et qui, du coup, est un peu l'auscultation d'un échec, mais qui, du coup, est porteur d'enseignement. Donc en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure des années de ce prix comme ce souci de préserver les espèces, préserver la nature dans ce sens commun qu'on peut donner au mot, inspire les écrivains. Au fond, dans ce que vous venez de nous décrire, Alice, dans toute cette diversité, il y a aussi la diversité des émotions que ça suscite chez le lecteur. On a évoqué la peur, l'émerveillement, l'espoir, je dois en passer. Fabrice Hibert, est-ce que dans vos œuvres et dans la présence de la nature dans vos œuvres, c'est aussi pertinent ce jeu avec les émotions du spectateur ou pas ? Non, c'est pas, moi je joue avec avec les couleurs par exemple. Ça c'est oui, c'est important, les couleurs, les jus, la matière de la peinture peut-être, juste comme ça, la matière qui est utilisée pour faire les tableaux, c'est peut-être sensuel, on va dire comme ça. Mais en fait les dessins eux-mêmes sont plutôt beaucoup plus techniques. Ils donnent peut-être un projet ou il écrit un projet qui peut être un nouveau comportement et tout ça, mais ça c'est si vous parlez d'émerveillement, c'est comme ça, plutôt par les couleurs, par la chose précise, la chose inattendue, les choses comme ça. Mais c'est pas je parle surtout dans ces tableaux de possibilités d'autres paysages, voilà. Il y a même une chose que j'aime, j'ai pensé tout de suite là, c'était de toute cette création des paysages biographiques que je fais depuis quelques temps, qui sont des paysages qui correspondent à la vie de quelqu'un. Je dessine sur un paysage assez long comme ça, enfin sur un dessin assez long, sa naissance à cette personne et jusqu'à ce qu'il est où il est maintenant. Et en fait, ça forme toujours un paysage. Et ce paysage-là, c'est un paysage complètement inventé qui correspond généralement au paysage de sa vie. C'est très étrange. Et en fait, je me perçois que petit à petit, je fabrique moi-même le paysage de mon paysage biographique. Et ça, c'est une découverte en le faisant, en fait. Hein, c'est des choses comme ça. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on fabrique notre propre paysage. Parce que tous les paysages qu'on a en Europe, par exemple, c'est des paysages qu'on peut pas fabriquer, hein, même si la nature, entre guillemets, justement, reprend ses droits, elle prend son pouvoir tout le temps, parce qu'on l'a inventée plus forte que nous, de toute façon. Mais c'est une merveille de voir tous ces paysages biographiques qui s'entrecroisent.
Je voudrais vous poser une autre question, Fabrice, qui cette fois fait appel plutôt au scientifique, à l'ancien scientifique que vous étiez, puisque vous avez une formation de mathématicien, et donc d'un petit peu de chercheur. Vous disiez tout à l'heure que vous lisiez surtout des essais plus que des romans, en tout cas que des romans écologiques. Alors, je suppose que vous avez lu ou en tout cas vu passer tous ces livres récents sur la vie des plantes, l'intelligence des arbres, la vie secrète, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça, c'est des choses qui... C'est très bien que ça soit écrit, justement. C'est très bien que ça soit écrit, parce que c'est des choses qu'on voit déjà quand on fait du jardinage ou quand on plante. On s'aperçoit bien que, justement, quand on a semé la forêt avec mon père, je me souviens, on voyait des arbres qui apparaissaient au bout d'un an, deux ans, trois ans, quelquefois. Et en fait, petit à petit, on se disait, mais c'est pas possible. Ils créent leur propre paysage. Ils ont besoin les uns des autres. Et en fait, ces conversations qu'il pouvait y avoir entre les plantes, c'était évident. C'est évident pour un jardinier, quoi. Mmh. Et puis après, il y a plein d'éléments sur la puis ces plantes qui sont tellement fragiles et puis qui fabriquent des formes complètement extravagantes. C'est tout ça, c'est des choses qui sont visibles, mais c'est tellement bien que ça soit écrit. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est justement en mathématiques, par exemple, la représentation du monde, par exemple, elle se fait en dimension 2 ou 3, vous savez, en espace, tout ça, mais en dimension 4, ça devient compliqué. Vous avez 1000 dimensions, ça devient extrêmement compliqué. On peut pas le représenter. Il y a des représentations qui sont très, très équivalentes à celles d'une branche d'arbre avec toutes les ramifications d'un corail, vous voyez. Et en fait, on imagine que toutes les branches d'arbres du monde sont tous des mondes parallèles qu'on a pu figer et écraser. Et contrairement, si on va à dimension 2, qui est le dessin, et la dimension 1, l'écriture, c'est les dimensions maximum, la plus restreinte. Et en fait, mon travail, moi, c'est d'écraser toute ma pensée en dimension 2 et d'un écrivain en dimension 1. Belle définition. Voilà. Alexis Génie, nous allons revenir au prix du roman de l'écologie. Vous en êtes membre, vous êtes membre du jury depuis le début. Alice en a un petit peu parlé, mais comment vous évoqueriez la diversité de ces romans, mais peut-être aussi leur évolution? Est-ce que vous avez vu une évolution sur ces trois années qui auraient suivi l'évolution de la prise de conscience, par exemple, de nos concitoyens? Est-ce que la diversité s'exprime autrement que cela? Bon, alors, on a peu de recul, puisqu'il n'existe que depuis trois ans. Donc, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une évolution. En plus, l'échantillonnage n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant... Enfin, on arrive à alimenter le prix, mais il n'y a pas tant de livres que ça. Une vingtaine de romans par an, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors après, bon, il y a peut-être ici ou là, dans des petites maisons d'édition à tirage confidentiel, des choses excellentes, mais qu'on ne voit pas. Une rentrée littéraire, c'est 500 à 600 bouquins. On n'a pas tout lu. Il y a peut-être des choses qui nous passent inaperçues. Bon, mais on arrive à trouver peut-être 20-25 bouquins qui traitent de ça. Alors après, comment on détermine que c'est un bouquin pour le prix du roman d'écologie? La définition d'écologie, on l'a pas fixée. C'est-à-dire, c'est une définition floue, exprès. C'est-à-dire que on va définir un roman d'écologie comme un roman où les problématiques écologiques sont centrales. Bon, alors après, c'est quoi les problématiques écologiques? Eh bien, des tas de choses. Eh bien, un rapport à la nature, un rapport au global, un rapport au relationnel, un rapport à l'organique, etc. C'est très ouvert. C'est-à-dire que l'année prochaine, si on continue ce prix, on aura encore des surprises, des gens qui vont traiter ça à leur façon. Il n'existe pas de genre roman d'écologie. En France, il n'y a pas une écriture de nature comme il peut y avoir une nature writing aux États-Unis. Ça n'existe pas en tant que genre, mais ça existe en tant que livre ou qu'écrivain, mais qui écrivent, pour eux, qui écrivent leur œuvre. Ce qu'on aimerait, c'est que le prix puisse contribuer à identifier un genre, à identifier un domaine d'écriture où l'écriture va s'emparer de toutes ces problématiques de rapport de l'homme avec lui-même et avec son environnement, et avec le monde. Donc c'est très très large. Et donc on reste volontairement un petit peu flou. Et à chaque livre qui va traiter les choses de façon très différente pour des raisons très différentes, on va sentir
Et puis on va le sentir collectivement. On est une vingtaine dans le jury. Il y a à peu près, je ne sais pas, il doit y avoir une douzaine d'étudiants et c'est le reste en vieille personne comme nous. On se rend compte aussi que les sensibilités ne sont pas les mêmes, mais que globalement, on arrive à un consensus pour savoir si tel livre fait partie du roman d'écologie ou pas. Bon. Donc, on tâtonne. Et c'est ça aussi qui est merveilleux. Alors moi, purement égoïstement, ça m'intéresse aussi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'écrire autour de ça, autour des rapports de l'homme et du monde, de la nature, etc. Je ne sais pas trop comment faire. Et ça me passionne de voir comment les autres font. Parce que, bon, un écrivain, ça a lu beaucoup de livres, ça en lit encore parce qu'on se nourrit de livres. Et moi, je vais de découverte en découverte et j'observe avec beaucoup d'intérêt tout ce qui peut sortir, tout ce qui est inattendu, qui peut sortir dans cette idée-là, dans ce sujet-là. Voilà. Et donc, on joue vraiment un rôle à la fois d'explorateur d'un domaine et aussi on essaye de constituer un domaine pour qu'un jour, on puisse dire, tiens, dans la littérature francophone du début du XXIe siècle, il y a un mouvement de romans d'écologie. Et dans la fondation du prix, il y avait ça. Je reprends l'idée de mon ami Dalibor, qui est cofondateur de ce prix, qui disait, bon, ça va, les idées écologistes, elles sont connues. Mais c'est étrange, à la fois elles sont connues et puis elles sont connues de façon rationnelle. On sait. Mais après, c'est comme si ça n'entrait pas en compte dans la vie des gens. Donc le roman qui passe par la singularité, par l'intuitif, par l'émotionnel, le roman peut être une façon que ces idées écologiques infusent dans l'imaginaire profond. Et l'idée, c'était d'identifier des bouquins qui parlent de ça et de les promouvoir. Parce que bon, il y a aussi ce problème de la vie littéraire. Donc j'ai dit 600 bouquins pour une rentrée. Le destin général d'un livre, c'est d'être oublié en 2 mois. Voilà, c'est ça le problème, c'est un drame. On est super content quand on est publié, et puis après, voilà, le livre disparaît. Et donc, faire un prix, c'est aussi faire exister des livres, et on est très heureux de contribuer à faire exister ces livres et à faire exister ce domaine. D'accord. Alors justement, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui, pour moi, me semble être une tension qui est comprise dans le terme même roman d'écologie. Parce que, et par ailleurs, vous faites un prix, enfin vous participez à un prix, donc à un classement. Et ce classement, me semble-t-il, doit impliquer 2 choses comprises dans le terme roman d'écologie, c'est-à-dire la qualité littéraire, purement littéraire du roman. Et puis peut-être, vous venez de l'évoquer, la qualité, entre guillemets, utilitariste de ce livre qui doit contribuer à infuser dans la population quelque chose qui est très urgent, dont il est très urgent de prendre conscience, qui est la crise écologique qu'on vit actuellement. Alors comment, en tant que membre du jury, mais aussi en tant qu'écrivain, vous gérez cette tension ? Eh bien, on improvise à chaque fois. Alors, personnellement, je me sens plus esthète hein, que militant. J'aime D'accord, la littérature. Vous êtes plutôt du côté de la littérature. Voilà, je serais plutôt du côté de la littérature. D'autres, dans notre jury, sont plutôt attachés à un livre qui soit percutant d'un point de vue de l'idée. Et après, comme on est beaucoup, eh ben on discute. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que il y a 20 membres du jury, il y a 20 lectures du même livre. Et un livre qui est adoré par un des membres est détesté par un autre pour des mêmes raisons ou d'autres détails qu'on n'a pas vus. Et c'est très, très, très divers. Donc, chacun va y aller en son âme et conscience, en fonction de ce que, bon, de comment on considère le roman, comment on considère l'écologie, etc. Et puis après, par discussion, par création lente d'un consensus,
on arrive à choisir celui qui nous paraît le mieux servir le but du prix. Deux. Voilà. Et ça aussi, voilà, c'est démocratique. Hein. C'est-à-dire qu'on est super différents, super pas d'accord, et à la fin, on a un consensus. Je voudrais revenir encore sur cette notion d'utilité du roman écologique. On l'avait évoqué, Alice, ensemble, les différents leviers. Tout à l'heure, on a parlé des émotions, mais il y a aussi les leviers plus finalement de scénarios, de scénarii qui sont utilisés par les différents auteurs. Et là, je voudrais votre impression à vous, personnelle. Est-ce qu'il y a des leviers qui vous paraissent plus efficaces que d'autres ? En tout cas, il y en a qui sensibiliser la population, les lecteurs. Il y en a qui me paraissent, c'est plutôt certains me paraissent inefficaces, ne serait-ce que même sur moi. C'est-à-dire, par exemple, je trouve que le côté donneur de leçons, par exemple, je trouve ça complètement contre-efficace. Qu'est-ce que c'est, donneur de leçons ? Par exemple, moi, je sais que là, dans les livres en question, il y en a un que j'ai trouvé. J'étais gênée par le fait que l'auteur se mettait dans la position de celle qui était extrêmement à même de contempler, de prendre conscience, d'être proche de la beauté, en l'occurrence des cerfs. Oh. Et elle nous faisait un peu la bisque, genre « ouh, 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 moi je suis dans ma forêt, tandis que vous, pauvres imbéciles, vous êtes dans les villes, vous allez me prendre pour une parano, une parisienne parano ». Mais c'était, oui, il y avait une sorte de snobisme du retour à l'authentique que je trouvais assez agaçant, et je me suis dit, et puis en plus, à la limite, culpabilisant ceux qui ne... Je pense que la culpabilisation, le fait de se retirer, le retrait, le côté ermite qui se vante, ça m'a paru effectivement... Bon, faire très, très peur aussi, parce que le livre de Gisèle Bienne, La Malchimie, c'est très sombre... Trop de pessimisme, ou alors trop de vantardise, trop de séparatisme, trop de pessimisme, ça me paraît... contre-productif. Ça me paraît contre-productif. Mmh. C'est d'une certaine façon... ce que j'ai beaucoup aimé dans Nous sommes l'étincelle, et je me tourne vers l'auteur puisqu'on m'a dit qui c'était, c'est que c'est un livre qui fait imaginer une autre manière... De vivre collectivement, et en même temps qui nous fait réfléchir à la nôtre et à, par exemple, qui elle rend malheureux, qui pourrait aspirer à autre chose, qui est porteur de force. Donc en fait, d'une certaine façon, peut-être il s'agit de rester positif, voir la beauté, mais pas pour se l'approprier en disant aux autres vous êtes nuls, vous la voyez pas, voir le danger, mais pas exagérer et déprimer les gens. Enfin, c'est toujours une question d'équilibre. Mais je voulais aussi répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je ne vis pas du tout le prix comme un classement. Et au contraire, je trouve que ce qu'on découvre... Parce que moi, je n'avais jamais fait partie d'un jury. Et tout ce qui se passait, c'est que j'entendais parler par mes amis écrivains qui sont dans des jurys, des cuisines, des jurys. Et donc là, c'est génial parce que j'ai découvert ce que c'était un jury sans faire... sans subir l'épreuve de la cuisine. Mais alors, l'expérience la plus extraordinaire que j'ai faite, la première année, c'est d'arriver avec vraiment la certitude qu'un livre méritait à peine d'être dans la sélection et découvrir qu'il avait des ardents défenseurs l'acheter. Donc, j'ai vraiment fait d'emblée l'expérience de la subjectivité de la lecture. Ça m'a rappelé d'ailleurs quand j'étais jeune auteur et que j'ai découvert qu'on pouvait écrire un bon manuscrit ou qui ne plaisait pas à l'éditeur pour une raison qui pouvait même mettre un détail, et il vous disait « c'est un bon texte, mais je ne vais pas le publier parce que ». Ça avait été ma première stupéfaction, et c'était d'ailleurs moi, je voulais être publiée parce que je croyais que ça voulait dire « c'est bien, vous avez bien travaillé ». Et je découvrais que non, qu'au fond, on peut publier un mauvais livre qui va avoir un succès fou d'ailleurs et rapporter plein d'argent, et certains éditeurs le font certainement, et on peut ne pas publier un livre dont on sait qu'il est bon, mais parce que soit on l'aime pas. Et donc là, dans le jury, on fait aussi cette découverte du fait que la relation du lecteur au texte
est extraordinairement diverse, incroyablement subjective. Et donc, en fait, moi, je trouve qu'on décerne, une récompense, mais très souvent, il y a des livres qui sont presque à égalité en termes de voix. Là, cette année, c'était vraiment, il y avait deux livres qui étaient très proches l'un de l'autre, à une voix près. Enfin, c'était rien. Et donc, on aurait même presque envie. Voilà, moi, j'ai toujours envie de parler de la plupart des livres qui ont été déjà sélectionnés. C'est au fond, c'est la sélection qui est intéressante. Et ensuite, voilà, on en récompense un, mais on reconnaît aussi des mérites aux autres. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que dans les prix, le lauréat est important, mais la liste est importante aussi. Et c'est vrai que les listes, elles promeuvent des livres qui sont de bonne qualité. Puis alors, aussi cette subjectivité, le premier dont tu parlais, moi je l'adorais. Donc, c'était pas cette année, hein, c'était la première année. Non, mais le premier que tu trouves... Non, mais la première année, il y en a vraiment un. Alors effectivement, moi, je suis un peu... très, très attentive à l'écriture. Et pour moi, il n'était juste pas écrit, donc ce n'était pas possible. Fabrice Hibert, vous n'êtes pas le seul plasticien à vous intéresser à l'environnement. C'est quand même un mouvement maintenant qui touche un nombre croissant d'artistes, toutes catégories confondues. Est-ce que vous suivez d'abord effectivement d'autres créateurs qui travaillent un petit peu dans ce même domaine de façon très différente de vous? Et est-ce que vous avez comme Alice dans votre domaine donc des arts plastiques le sentiment qu'il y a des finalement qu'il y a des manières de je reste sur cette idée d'engagement quand même et de sensibilisation du public, qu'il y a des manières plus contre-productives et que d'autres? Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir sur le roman écologique. Je pense que c'est vrai que c'est très important de voir écrit aussi des comportements liés à l'écologie. Ce que vous disiez tout à l'heure, mais je trouve ça très bien de pouvoir montrer qu'il y a toutes ces possibilités. Et à mon avis, ça doit être très important de développer ce prix pendant plusieurs années, parce que ça va montrer toutes les possibilités, parce qu'il y a tellement de choses à faire pour l'écologie. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis parallèlement, dans les artistes qui travaillent sur l'écologie, les comportements par rapport à notre monde et tout ça, il y en a pas mal en ce moment, il y en a eu pas mal depuis longtemps, ça a toujours existé de façon, ça va être très souvent des outsiders, des gens qui ont travaillé sur un jardin incroyable, des choses comme ça, mais maintenant ça devient un peu sur le devant de la scène à cause de la situation et puis à cause de tous les gens qui parlent d'écologie. Pourquoi pas, et le roman, pourquoi pas. Et en fait, ces gens contre-productifs, y en a en fait. Dès qu'on fait des choses trop esthétiques ou littérales, pas littéraires, littérales, complètement plaquées sur le descriptif ou aigri, comme dit Alice tout à l'heure, c'est vraiment pas intéressant. Mais il y a ça dans l'art, dans les arts plastiques, évidemment, plein de choses, évidemment. Ça existe, malheureusement. Ouais. Je crois qu'il est temps d'arrêter ce dialogue. Voilà, je voulais tous vous dire un grand merci et à nos trois participants. Merci voilà, à vous. Pour ce dialogue autour de la création artistique et de l'écologie. Et d'ailleurs, j'entendais pendant le confinement, il y a eu une étude, Alexis, je ne sais pas si tu as vu ça, sur la chaîne du livre est-elle bien d'un point de vue écolo et